Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir les boucles japonaises. Ce nœud est intéressant car des deux côtés on retrouve vraiment un motif carré et les deux boucles sont ajustables l'une vis-à-vis de l'autre. Il s'agit d'un nœud décoratif que l'on pourra retrouver au milieu d'un filin. Débutez ce nœud par une ganse et croisez les deux brins, donc celui de droite sur celui de gauche. Agrandissez cette boucle afin d'obtenir les deux futures boucles japonaises. C'est simple, les brins qui sont dessous vont travailler dessus et ceux qui sont dessous vont travailler dessus. Donc là on croise et là celui qui était dessus passe dessous. On obtient donc un nœud simple au-dessus de notre nœud. On va en dégager deux ganses qu'on exploitera par la suite par nos deux brins. Donc encore une fois on va venir croiser, donc celui qui est dessous passe dessus et enfin les deux brins passeront à travers les ganses d'une simple supérieure ici, donc celui qui est dessous passera à travers cette ganse par dessous et celui qui est dessous traversera la ganse par dessus, donc ici. Et là, donc vu que je suis dessous, je passe dessus et je traverse le nœud, je traverse la ganse par dessus, je traverse l'intégralité du nœud. Je resserre le motif, je resserre le nœud et j'obtiens un motif carré, un peu comme le nœud carré. Je resserre tout ça et on va pouvoir se rendre compte que les deux boucles sont ajustables l'une vis-à-vis de l'autre, donc je peux les régler par la suite et les resserrer, les agrandir. Il n'y a qu'à l'ajuster pour qu'il soit esthétique.